Alors, disons-le de suite, je suis fan de cette saga. Alors attention, pas fanatique non plus, je n'ai pas fini tous les jeux à 100%, je n'ai pas de statuette à l'effigie des personnages, non. Je suis juste fan de la saga dans le sens où elle m'a fait et continue de me faire rêver. Son univers, ses personnages, l'ambiance, tout dans cette saga m'attire. En réalité, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà ressenti ça pour des jeux vidéo. Alors, je pourrais vous parler de Bioshock, qui est juste magistral, ou de Dead Space, comme jeu horrifique, qui m'a énormément marqué, mais rien n'est comparable avec The Legend of Zelda. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de tous les jeux, ce serait beaucoup trop long. Non, moi, je vais seulement vous parler des trois jeux Zelda de mon enfance, les trois premiers jeux qui m'ont fait connaître l'univers Zelda. Alors, tout d'abord, il faut que je vous avoue que j'ai commencé l'aventure Zelda avec Ocarina of Time. Et à vrai dire, à cette époque, je ne savais même pas que d'autres jeux étaient sortis. Tout simplement car je n'avais eu aucune console Nintendo jusqu'à la Nintendo 64. Avant ça, mes parents avaient la Master System et ensuite la Mega Drive. Du coup, je suis passé à côté. Je n'ai même jamais eu de Game Boy. Du coup, ma première expérience dans cet univers, c'est avec Ocarina of Time. Nous sortons tout juste de la 2D et je viens d'acheter la Nintendo 64, avec les deux meilleurs jeux de la console. GoldenEye et Mario Kart. Nous passions des journées et même des soirées entières sur ces jeux quand nous allions chez mon père, mon frère et moi. Mais avec Ocarina of Time, je savais qu'autre chose m'attendait. L'aventure, un univers que je ne connaissais pas, rempli de créatures mystérieuses. Ocarina of Time raconte l'histoire de Link, un jeune garçon vivant dans un village perdu dans la forêt. Notre jeune héros parcourt le royaume d'Hyrule pour empêcher Ganondorf d'obtenir la Triforce. Son aventure va s'avérer bien plus complexe quand il va devoir voyager dans le temps à l'aide de son ocarina. C'est avec ce jeu que les différentes timelines sont apparues. En gros, des mondes parallèles où chaque épisode se passe dans une timeline différente. Si ça vous intéresse, il existe beaucoup de vidéos sur le sujet sur internet. Encore une fois, l'idée de cette vidéo n'est pas de vous parler d'un seul jeu, mais plus de l'univers qui entoure toute la saga. Du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous n'avez pas joué à Ocarina of Time, n'hésitez pas. Alors oui, évidemment, le jeu a pris un petit coup de vieux, là où à l'époque le monde avait l'air gigantesque. Aujourd'hui, il paraît ridicule à côté des nouveaux jeux Zelda, mais ça n'enlève en rien la magie de l'univers. C'est comme quand on joue à un Mario 2D. Il faut évidemment se remettre dans le contexte de l'époque à laquelle le jeu est sorti. Quelle ne fut pas ma surprise quand 2 ans plus tard, un nouveau Zelda sortait. Cette fois, un jeu beaucoup plus sombre. Majora's Mask, un jeu tout autant mythique qu'Ocarina of Time, en tout cas pour moi. Là encore, un monde hyper coloré, mais tellement sombre dans son univers. Les personnages, les monstres, les masques, tout est là pour nous parler de la mort. Je me souviens encore rentrer en courant après l'école pour jouer à ce jeu que j'avais eu à Noël. Déambuler dans la plaine de Termina, comme j'avais pu le faire 2 ans avant, en Hyrule. Le jeu introduit plusieurs concepts novateurs basés sur un cycle temporel des 3 jours, se répétant sans cesse. Au bout de 3 jours, la lune vient s'écraser sur Termina et tout recommence à zéro. On rejoint un petit peu le concept de voyage dans le temps d'Ocarina of Time. J'ai vraiment adoré jouer à ce jeu, car il allait encore plus loin que Ocarina of Time. Dans le gameplay, les graphismes, les missions plus variées, une histoire plus adulte avec les références sur la mort. L'histoire est la suite directe d'Ocarina of Time. Après avoir vaincu Ganondorf, Link retourne dans le passé pour continuer sa vie là où il avait arrêté. Il se retrouve à Termina, qui n'est autre qu'un Hyrule parallèle, avec les mêmes personnes, mais qui ont des vies complètement différentes. Dans ce nouveau pays, Link apprend que la lune doit s'écraser et réduire le monde à néant. Et tout ça dans 3 jours. Notre jeune héros va donc voyager dans le temps, comme dans Ocarina of Time, pour sauver Termina. Ce que j'aime avec ce jeu, c'est qu'on ne retrouve pas encore une fois Ganon comme méchant du jeu, mais Skull Kid, un être chétif mais très dangereux, à cause du masque qu'il porte. Dans cet épisode, pas de princesse à sauver non plus. Zelda n'est pas dans le jeu, et c'est pas plus mal. Pour le troisième jeu, je voulais vous parler de Wind Waker. Là encore, 3 ans plus tard, The Legend of Zelda, The Wind Waker sortait. Mais cette fois sur la Nintendo GameCube. J'étais tellement fier de cette console, qui avec du recul ne rivalisait pas vraiment avec la PlayStation 2. Mais je m'en fichais, je l'avais acheté pour un jeu Zelda potentiel, et ce jeu arriva.
Il en surprit plus d'un avec ses graphismes en cel shading, et beaucoup trouvaient que c'était beaucoup trop enfantin. Mais une fois le jeu en main, beaucoup ont changé d'avis. Le jeu est pratiquement un dessin animé. Les expressions de Link sont superbes, les mouvements sont hyper souples, et encore plus en version remasterisée. Le jeu se déroule sur un ensemble d'îles situées sur une vaste mer. Link tente de sauver sa sœur du sorcier Ganon et se retrouve impliqué dans une lutte pour sauvegarder la Triforce. Il va être aidé par des alliés, dont le capitaine des pirates Tetra, qui est l'incarnation de la princesse Zelda, et un bateau parlant, le Lion Rouge. Très vite, le changement se fait sentir. Là où dans les autres jeux, Link devait utiliser un cheval et plus précisément Epona pour traverser de grandes étendues, ici, c'est avec un bateau qu'il faudra se débrouiller, car tout le jeu se passe sur l'eau. Alors, ce jeu n'est pas la suite de Majora's Mask. Il se passe justement dans une autre timeline. Pour faire simple, dans Ocarina of Time, Link crée trois timelines. Une où il a perdu à la fin du jeu contre Ganon, une où il gagne mais revient dans le passé, ce qui donne Majora's Mask, et une autre où il gagne mais reste adulte. C'est dans cette timeline que se trouve Wind Waker. Alors non, le joueur n'incarne pas le même Link, car le jeu se passe des centaines d'années plus tard, et c'est une situation récurrente dans les Zelda. Chaque jeu, ou presque, propose un nouveau Link, même s'il est vrai que la personnalité des différents Link se ressemble beaucoup. Alors pour l'histoire, le monde d'Hyrule a été enseveli sous la mer. Le jeu est vraiment superbe. Il y a des centaines d'objets à récolter, je pouvais passer des heures à aller voir les statuettes Tendo. En conclusion, avec du recul, je vois bien que Ocarina of Time n'est pas un jeu parfait, surtout en comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui. Je dois avouer que c'est plus la nostalgie qui parle, là où au contraire, je trouve Majora's Mask plus complet, plus adulte. Et que dire de Wind Waker, qui fait un énorme bond en avant avec la puissance de la GameCube. Et d'ailleurs, le jeu n'a absolument pas à pâlir de la comparaison avec les jeux actuels quand on joue au remake sorti il y a quelques années. Je trouve ça fou d'arriver à s'attacher autant à un personnage qu'il ne parle pas. C'est là où Nintendo est très fort, que ce soit Mario ou Zelda, les personnages ne parlent pas. Les univers des jeux sont à chaque épisode différents et pourtant la formule fonctionne. Aujourd'hui, j'ai grandi et je suis sans doute moins touché par l'univers que je ne pouvais l'être étant jeune. Mais je trouve ça marrant que maintenant c'est mon fils qui prend le relais. Je lui fais découvrir les jeux de mon enfance et bien sûr l'univers de The Legend of Zelda.